Coucou les Fourzinottes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une découverte de surprise. Donc, j'ai trouvé ça chez Action. Je me suis dit que c'était bien pour les filles. Donc, c'est des Happy Surprises. Apparemment, si j'ai bien vu, ce serait des petits poneys. Donc, dans des trucs en forme de sucette. Donc, j'ai pris un violet. Une bleue pailletée. Vous voyez, ils sont pailletés, mais je vois. Ah, si, on voit, regardez. Et une rose. Donc, ils sont tous pailletés. Donc, on va commencer par la violette. Pourquoi? Parce que c'est celle que j'aime le moins. La couleur que j'aime le moins. Donc, à voir comment ça fonctionne. Bon, bah, déjà, j'ai tiré le truc. Est-ce qu'il fallait ou pas? Ça, je ne sais pas. Ici, vous avez une espèce de petite fermeture qui est une ouverture facile. Donc, quand on tire dessus, on tire également donc le papier. Wow. Et là, on a le violet. Où on ne voit pas à travers, et celui-ci où on voit à travers avec des petits trous et des paillettes. Donc je vais ouvrir ça. Je pense qu'on tourne comme un œuf. Hein. Oh, ah ben non, on appuie dessus comme les. Comment on appelle? Les œufs Kinder. Donc je vais vous montrer ça. Hop, apparemment on a le choix. Bah, on peut collectionner de 4, bah, 3 différents. Attendez, je regarde bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chelou. Bon, bah voilà, je vous montre. Ça sera plus simple. On verra déjà ce qu'on a là et si on a des doubles malgré les couleurs. Parce que je me suis demandé, est-ce qu'ils sont quand même possibles d'avoir en double? Malgré qu'on a des couleurs différentes, là, je ne sais pas. Donc, alors, on a un petit truc comme ça. Donc, à mon avis, alors, attendez. Hein. Donc, on remet, ben voilà, regardez, hop, ça, on enlève le papier qui était sur le bâton de sucette. Donc on enlève le bâton. On remet le bâton qui était de bâton de sucette. Et puis on remet également le bas. Donc ça fait, on dirait, une coupe. Bah, bois pas dedans parce qu'il y a des trous. Hein. Juste pour info, tu vas te faire toute la baraque. Bon, maman sera pas contente. J'ai perdu mes affaires. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ouh, ça glisse et on va le mettre à côté. Je vais faire petit à petit. Donc, à prendre une petite pochette comme ceci, où il n'y a pas gros truc dedans. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une brosse en forme d'étoile filante blanche pour brosser notre petit poney. Ensuite, on a un deuxième paquetage là. Je crois que c'est notre animal. Et voici ce qu'on a gagné. Le petit poney. Oh, il est trop mimi, regardez. Donc, en fin de compte, il y a des cheveux au niveau de sa crinière. Voilà. Là, c'est Patoune. Est-ce qu'elle bouge? Non, elle bouge pas. Elle reste telle que. Par contre, la tête bouge. Pas le bassin, mais derrière, elle a des jolies ailes blanches avec une marronne. Donc, comme on dit chez nous, mais chez vous, ça va être une culotte rose. C'est une fille. Et donc, voyons voir. Est-ce que ça fonctionne bien, ça? Bah, apparemment, les cheveux sont pas gégés, hein. Donc,
Bon, bah, tu sais, elle fera pas longtemps avec. Mais déjà, ils sont mal foutus. Ils sont pas mis à bonne hauteur. Attendez. Hop. Voilà. 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 Bon, heureusement que je fais pas ça à ma fille. La pauvre. Donc voilà, notre premier bébé. Donc, notre premier bébé a-t-il un nom? Non. Par contre, c'est celui donc qui est ici. Donc non, en fait, ah ben voilà, ben, on sait vraiment qu'il y en a 6 à collectionner, car il y a des petits ronds et il y a 6 petits ronds. Donc elle, on va la mettre dans sa petite coupe. Voilà. Puis on peut dé soit décorer, soit ben, les enfants ils jouent, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Voilà, maintenant on va prendre, donc ça je mets de côté les poubelles, je lui mets sa petite étoile filante. Maintenant on va passer à la sucette bleue. Donc là-bas il faut de ce fait retirer quand même le papier qui est sur, qui dépasse hein, plutôt. De la sucette, si vous arrivez à faire mieux, j'ai essayé au dissolvant plus tard. Donc, on, pareil que l'autre, on retrouve la petite fermeture qui permet de nous faire une ouverture facile, enfin, logiquement, quoi. Elle m'a l'air moins facile que la première, ou à moins que je reparte par en bas. Non, il y en a qu'une. Donc, voyez, les ouvertures faciles, pas faciles, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai mon petit truc. Voilà. Allez, c'est parti. On peut l'ouvrir. Voilà. Donc, on ouvre comme l'œuf Kinder aussi. Comme l'autre, on a toujours la même collection. Voilà. Nos petits articles. Et donc, comme je vous montrais tout à l'heure, hop, voilà, elle a son pied pour pouvoir être présentée. Donc ça, après, ben, soit on peut le fermer, ou alors, eh ben, on jette, hein. J'en sais rien, vous faites ce que vous voulez avec. Moi, je vois pas l'utilité de le fermer et de pas voir ce qu'on a dedans. Je vais pas commencer par la petite boîte, sinon je sais d'avance le poney que j'ai. Donc autant commencer cette fois par le petit poney. Donc je prends le gros emballage. C'est parti. Donc là, bien sûr, on n'a pas le même. Par contre, on est sur la même ligne parce que, voyez, on a le poney jaune. Enfin, là, c'est la licorne. Voilà, ouais, la licorne jaune. Donc, c'est une fille également avec les petites ailes roses, les cheveux jaunes et roses. Bon, ceux-là, par contre, ils sont bien mis par rapport aux autres. Voilà. Oh, les mimi, hein. Et puis, donc, on va voir. Bah, voilà. Sa brosse étoile filante jaune qui suit bien avec son corps et ses cheveux. Donc voilà. Bah, voyez, ses cheveux, elles, ils sont beaucoup plus jolis par contre. Là, tu devais avoir un petit sous-size. Parce que là, c'est impec. Regardez. Une sacrée crinière. Et ça, je me rappelle, étant petite, j'avais un petit poney, mais qu'est-ce que j'ai pu le brosser? C'était un truc de dingue. Donc, hop, oh bah vraiment, heureusement que c'est pas un vrai bébé, hein, je vous fais n'importe quoi. Donc, je la mets dans sa coupe de présentation avec son étoile magique. Et voilà. Alors, est-ce qu'on va quand même en avoir un dans une poussette? Là, je commence à désespérer. On va voir. Est-ce que ça sera dans une poussette ou un? Mais non, je me suis pas endormie.
Ou un pareil que là. Alors si c'est ça, ça aurait été fort. On aurait eu trois de la même gamme. Alors regardez là, j'ai réussi à tout enlever. Donc il est bien blanc. Donc notre petite fermeture, est-ce qu'elle fonctionne celle-là? Elle fonctionne pas très bien. Donc je reprends mon petit pirlipipi là. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Donc surtout attention hein, parce que bon, les morceaux de cheveux ils s'en vont quand même. Faites attention pour les enfants en bas âge malgré tout parce que là je regarde mais il n'y a pas l'air d'avoir de... Ah si, c'est interdit au moins de 3 ans. Mais bon, bah après ça dépend l'enfant s'il met plus ou moins dans la bouche. Allez, on ouvre. Comme un œuf Kinder. Ah bah celui-là, il est encore en plus scotché. Ouais, vous ont voulu me faire une farce. Voilà. Donc toujours la même fiche. Hein. Voilà nos petits poneys. Hop. Là. Ça, je vais le mettre là. Donc, comme d'habitude, on installe pour faire la petite coupe de présentation. Bon, allez, je vais aller dedans quand même voir ma petite brosse en premier. J'ai une brosse rose. J'en avais pas. Donc, déjà, ça, c'est bien. Donc, une brosse étoile filante rose. Et. Donc, voyons voir le dernier poney que l'on a trouvé. Eh bien, on n'aura pas de poussette, on n'aura que des licornes un peu plus grandes. Donc, celle-ci, elle est rose foncé. Ah, celle-là, mais vraiment, bah, ah, ils nous font des farces. Regardez, celle-là, elle était attachée à les cheveux avec... un élastique, alors que aucune n'en avait. Donc, les cheveux sont violet rose. Ça, les ailes et la culotte sont bleues. Donc, bah, on dira que cette fois, c'est un. Bah, tu fais comme tu veux. Soit tu choisis que c'est rose, que c'est un garçon, soit bleu. Bah, qu'est-ce que je raconte? Soit rose, une fille. Soit bleu un garçon. Et puis en fait les filles mettent ce qu'ils veulent et les garçons mettent ce qu'ils veulent, on est d'accord. Parce qu'on est dans un monde où on a l'esprit ouvert, où tout le monde met ce qu'il a envie et où on aime tout le monde. C'est le monde des bisounours. Parce que bah voilà, faut s'aimer et s'entraider les uns les autres. Donc voilà ma petite choupie. Elle est tout mimi. Et est-ce que ses cheveux se brossent bien là? Impec. Donc le fait de l'élastique les a bien mis en place. Donc elle se brosse super bien. Voilà. Donc on va l'installer dans sa coupe de présentation aussi. Avec son étoile filante. Voilà, donc eh ben on a de la chance parce que ben effectivement c'était des différents par paquet, mais maintenant ben, pour avoir les autres qui sont en poussette, ben je ne sais pas comment faire. Est-ce que c'est dans les mêmes ou dans des autres? Il va falloir que je vois ça sur place. Donc nous avons collectionné ces trois jolies petites licornes qui sont en bas. Voilà. Je vous les remontre les unes après les autres. Oups. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous et à très bientôt mes fourzinottes. Je vous aime. Bye bye.